De la surprise, parce que je me suis installé dans la voiture. Effectivement, 35 ans, c'est un bail. Et j'ai eu l'impression de jamais l'avoir quitté parce qu'ils ont conservé mon siège, le pédalier, le positionnement du volant, tout ça était pour moi comme pour moi et ça n'a pas changé. Et donc voilà, ça c'est la première voiture à moteur turbo qu'a fait Renault, hein, qui était novateur à l'époque. Et franchement, oui, ça m'a... Mais une fois que je suis dans la voiture, c'est un régal, on s'amuse, c'est sympa, donc le plus dur c'est de ne pas aller trop vite, quoi. Alors pas du tout, parce que pour deux raisons. La raison, c'est qu'en fin de compte, c'est moi qui ai gagné avec une dizaine de secondes d'avance. Et la deuxième, c'est que là on a crié au miracle parce que rien ne s'est passé. Mais si, quand il se touche les roues, il y en a un des deux qui vole et qui se fait mal, là on aurait dit que c'était des dingues. Voilà. Donc moi je pense que ce qu'ils ont fait, on le reverra pas de sitôt, ça marque l'histoire. Moi j'ai marqué l'histoire parce que j'ai gagné avec un moteur turbo et on marquait l'histoire de la, un petit peu de la connerie, quoi.